Bonjour, c'est Kadi et bienvenue sur Kadi Gaming pour l'épisode 6 du Let's Play de Staxel en compagnie de Falcon, Kaya, Rick, Yout, Monk. Et Farah. Et Farah, c'est ça, je me disais bien que j'avais oublié quelqu'un. C'est intéressant. Bah, je sais ce que je peux, Farah, tu m'excuses. Hein. Ah, c'est bon, j'ai compris. D'habitude, c'est Rick que j'oublie, t'as remarqué hein. Et maintenant, depuis que je l'ai oublié plusieurs fois, maintenant je m'en rappelle maintenant. Tu m'as oublié une fois. Ah, qu'une fois. Ah oui, bah, ça t'a marqué. Bah ouais, je suis ouais, content. Ouais, tu t'en veux. T'avais l'air de t'énerver, donc bien. Du coup, je m'en suis oublié, effectivement. On est en train de construire la maison. Allez voir l'épisode précédent pour comprendre de quoi on parle. C'était grâce à Rick qui nous a posé la petite bottelette. Et du coup, on avait commencé à poser des planchers, qui étaient un peu compliqués à fabriquer, puisqu'il fallait avoir du bois brut qu'on transforme en bois d'œuvre. Avec du vernis, on obtient du bois de plancher. Je vais aller chercher le lait, Kaya, tu m'excuses. Ouais, non, mais pas de problème. Un instant, parce que je pense que les vaches, bah, si on rate le coche... Eh ben, disons que on aura pu... Ah, vous avez fermé. En fait, on risque de perdre en fait 280, donc... lanterne de mineur, je viens de ramasser, merci messieurs. Oula, mais vraiment, il y a plus de vaches là que prévu, là. Par produit. Ah, non, c'est vous qui avez acheté des vaches? Non. Elles sont reproduites toutes seules? Non, c'est pas possible. Quelqu'un a acheté des vaches? Ah non. Bah, comment elles ont apparu sinon? Ils se reproduisent tout seul. Et qui c'est qui a fait la petite barrière alors? Ah, c'est... elles étaient toutes tassées dans la baraque là! Comme dans Minecraft, tu sais, quand tu mets un enclos trop petit avec plein d'animaux là. Et pour le bien, faut enlever le panneau, je crois que c'est les gènes pour sortir en fait. Sur Minecraft, y a un gars qui le fait là, mais je sais pas. Enlever le panneau et le décaler le panneau. Ouais, il faudrait dépasser le panneau. Il y a deux mabelles hein, au passage. Hein. Deux jumelles, ouais, c'est ça. Ce que tu disais, Rick. Donc, faudrait déplacer le panneau, effectivement. Là, je sinon, on va considérer qu'on n'a pas de grange. Là, ça va faire la gueule dans le village. Il y a un bug avec les... Ça, c'est marrant, ça. Ah, ça. Je pense que c'est un bug du jeu. Les barrières en angle, là, sont pas du tout droits. Pourquoi Yudi s'est transformé en chat, là? Il a changé de skin. Ah, j'ai bu une popo. D'accord. Ça vous, la popo? On me l'a donné. Ça c'est planté, ça c'est bon. Donc du coup, alors le lait, je vais le vendre maintenant. Peut-être que ce sera nécessaire après pour faire des gâteaux peut-être. Ou des crêpes. On peut rêver. Des gaufres. Ça, ah, t'as toutes les recettes de gâteaux hein, déjà disponibles. Gâteaux ordinaire, caresser, porridge, risotto, salade ordinaire. Ça existe. Des soupes. Risotto, c'est pas vraiment un gâteau. Mais sinon dans l'idée, pourquoi pas. Non, mais t'as déjà des recettes de cuisine. Je te caresse. Ah donc c'est pas une blague alors. Hein, bah, va regarder. Et Kaya, si tu veux tripoter ta femme, tu peux le faire en vidéo, s'il te plaît. Non, mais c'est son chat, là, qui... Non, mais c'est une blague, c'est une blague que je te fais, là, c'est une blague. Tu vas prendre un coup de hache, Kaya, si tu t'approches encore de moi. Donc, est-ce que tu m'as donné du vernis, Kaya? Non, tiens. Eh ben, on va aller faire ça vite fait, là, le coup du bois. Faut savoir que dans 2 jours, d'après le calendrier, on a un événement bois, a priori. C'est ce qui est écrit. Alors, c'est pas un événement bois. Non, mais c'est ce qui est écrit sur le calendrier, moi, je sais ce que c'est. Mais c'est qui, évidemment? Gadou, je m'attends à la vanne, mais je t'ai posé en même temps une machine de sculpture à côté de la scie, à côté de la machine à construire et de l'assemblée. Je ne la ferai pas, si maintenant tu le sais, c'est plus marrant. Ah, moi je sais pas, c'est quoi ta blague? Merci, Kaya. Et 36, c'est parfait. Non, en fait, c'est à propos de ce que fait Farah en loisir. Parce qu'il a, il a acheté une machine à sculpture, donc... Ouais, il ken pas, mais j'ai... Il fait des trucs avec du bois là. Je pensais qu'il avait ouvert le bar, le fucking Blue Boy là. Mais en fait, pas du tout. Je cherche la machine, moi qu'il faut. Bah, la machine est là en fait. Pour fabriquer le What plancher. The fuck qui devait être fait. Comment ça marche la sculpture là? J'ai déjà oublié comment il fallait le faire, le plancher. Même chose que les mêmes machines, Kaya. Ah bah tu mets des pierres dedans ou... Non, il faut regarder. Non, c'est surtout pour les... Par exemple, pour les palissades, les trucs comme ça. Il me faut le bois, la bouse... Il faudrait que je range mon inventaire aussi, c'est le bordel. Est-ce que vous avez acheté une armoire, à tout hasard? Toujours pas? Non. Ok, c'est pas grave. Alors, on peut faire des arrosoirs en durci. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, c'est des arrosoirs qui sont plus durs. Merci Sherlock. Tu m'étonnes. Bon, normalement j'ai fini le plancher, j'en ai 70, je sais pas si ça va suffire. Mais vu ce qu'il nous reste, je pense qu'on devrait pas être trop mal. Un peu limite, je pense.
Y a tout le monde qui me dit bonjour, c'est je les zappe, moi je cours par-dessus les murs et tout là. Plus personne prend les chemins maintenant, c'est fini ça. Et Yout ? Mm-hmm. Tu peux me prêter ta canne à pêche ? Et c'est relativement pénible le coup des blocs là, qui se superposent. Le mec il a confiance quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les blocs qui se superposent, vous avez vu là sur les planchers ? Enfin sur les planchers d'ailleurs n'importe où. Quand, tu sais quand tu poses un bloc, en fait le bloc que tu veux poser en fait il superpose en partie celui qui est à côté. D'accord. Du coup en fait tu consommes à fond en fait pour faire une petite distance et c'est super pénible. Ah oui je vois ce que tu veux dire. Ouais c'est pénible, hein, c'est... bah c'est le jeu qui est comme ça. Parce que là tu vois je vais pas avoir assez de bois, c'est sûr hein. Là c'est décidé. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Bah le problème c'est que, alors si le vernis j'en aurai peut-être assez. Je vais te dire ça. Si le vernis je pense que j'en aurai assez quand même, c'est le bois de d'œuvre que j'ai passé. Et là vous avez vu on a fait que le plancher qui n'est pas obligatoire d'ailleurs hein, on précise. D'après la boîte aux lettres qui est ici hein, je vous rappelle, je vous la remets, voilà. Il faut juste un lit, une porte, une table, une... voilà, tout le bazar. En fait, côté électrique, y a rien quoi. Tu poses une lampe, tu l'alimentes même pas. Comment ? Tu allumes et... Tu poses une lampe, ouais. La lampe s'allume toute seule. Voilà. Pas de câble à tirer, y a pas de générateur, y a rien. On sent la déception quand tu parles, banque. Ah, là, je suis... Dépité. Il va faire une crise cardiaque. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pas de disjoncteur, rien. Rien et tout. Il n'y a même pas de différentiel, rien. Rien. C'est ça. Alors tu poses une lampe, tu l'as mal posée, mais c'est pour ta gueule. Tu peux même pas la récupérer pour la reposer comme il faut. Ah bon, un coup de marteau, ça marche pas ça. Bon, ça marche. Oh, bah, j'ai pas acheté de marteau, mais je tape dessus, oui. Mais ça, c'est logique. Ouais, t'as même pas trouvé un TGPT quoi. Hein? Bah oui, un TGPT, attends, qu'est-ce que tu nous fais là? Hein? Qui c'est qui fait du bruit comme ça derrière? Kaya, c'est encore toi ça? C'est ma chaise. C'est quoi un TGPT? T'as là où t'as tous les compteurs, les joncteurs là? J'ai TGPT. Et pas TGPT, parce que ça pété, ça leur a dit. J'ai dit quoi ? TGPT. Ah, j'ai dit ça, moi ? Ouais. Ah. Avec un bruit suspect en fait. Il confond avec les... C'est ça, ouais. Ça fait ta gueule, GPT, en fait. Hein. Je traduis, GPT. Oui, donc tu confondais avec les PTT, peut-être. Non, ça, c'est la poste. Bah oui, je sais. C'est pas un petit travailleur tranquille. Il est méchant le Yuta. Hein. Alors on pose celle-là, placée, et là normalement on peut crafter. Comment ça marche la canne à pêche parce que je pêche rien? Ouais, j'ai prévu trop là. Il y en a pas? Il y en a pas? Bah non, il y en a pas dans ce truc là. Alors, je retourne faire notre maison, ok. Ah, j'avais pas lancé la canne à pêche. Je pense que tu t'en fous en fait de notre maison, c'est que moi qui vais le faire, c'est ça? J'avais pas lancé le... Oui, ils s'en foutent de ce que je dis, ignore-moi. Ah, pardon. T'as ta réponse, Galu. Non mais c'est pas grave, je vais me débrouiller, Kaya. Je suis vexé, mais je vais me débrouiller. Ouais, non, t'inquiète, j'y arrive. J'ai confiance en toi. J'ai pu avoir assez de vernis, j'ai plus un rond, je te rappelle. Parce que vous farmez, et moi j'encode des vidéos pour l'instant. Oh là là, pauvre chou. Galu, le charcoal du serveur. Le charcoal du serveur. J'ai pas entendu. Excuse-moi, bonjour. Faut le dire à le clochard. Le poisson s'est échappé, et toi alors Oh, ça c'est dommage, Kaya. Oui. 4, 5, 6, 7. Si t'arrives. Il me manque 9 planches. Et pour faire 9 planches, il me manque juste, écoute bien, un vernis. Un seul. J'arrive tout de suite. C'est ballot, hein. Ballot, ouais. C'est vraiment ballot ça. Un vernis il me manque. Non mais sinon je vais lâcher le vernis, t'inquiète pas, attends, 5 centimes c'est bon. Par contre il est où? Il est dans le magasin de bois, c'est ça? Oui. Construction. De construction, dans, excusez-moi. Ouais, construction. Je saute par-dessus les haies. Comme le sport. Et après c'est où? Sur la droite. Vernis bon marché, j'ai trouvé. Ouais, c'était pas si compliqué que ça, Kaya. Ah bah non. Je sais pas qui n'arrivait pas à le trouver tout à l'heure, mais. Je crois que j'ai dit une connerie, en fait, je crois que j'avais assez. Non, j'avais pas assez. Non, il m'en faut 3, donc c'est bon, j'ai rien dit.
Ah oui, il faut que je retourne pour le crafter. Excusez-moi, je fais des allers-retours, je suis un petit peu perdu. Dans Minecraft, c'est plus simple quand même. Hein. Non pas que je préfère Minecraft pour faire plaisir à Banque. Le temps que ça s'habitue. C'est ça. Bon, on aura du poisson pour ce soir, messieurs. Donc j'avais dit, il faut du bois comme ça. Oui, tout le monde s'en fout, tu vois. Ouais, j'ai vu ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de barre de faim dans le jeu, donc je... C'est pour ça que tout le monde s'en fout. Donc là, je place ça. Ah, vous avez vu, c'est plutôt long quand même, hein, farmer. Donc là, on fera un épisode un peu... Je pense que c'est un petit peu chiant pour vous, du coup. Ramasser. Bon, bah, rip la maison, hein, je vais devoir la casser. Hein. Par contre, ce que je vais faire maintenant... T'as créé une maison? Non, non. Je vais faire des... Il a un objet sur la maison, et le deuxième, c'est que je peux pas monter sur la maison parce que j'ai pas de bloc. Donc je vais devoir la casser, quatre bois, monter. Deux colles. Faut 4 bois et 2 colles. Faut que j'aille racheter de la colle puisque je suis là. Okay, ah non, de la colle c'est là-dedans, c'est dans le magasin directement. Il faut te faire un escalier, Falcon, tu vas pas casser la mairie. Ouais, j'ai non mais t'inquiète, je vais jouer en conscience, c'est juste pour monter au sommet. Non mais prends des blocs, prends non, la terre. Non mais des morses étoiles, il y en a partout, Falcon. Pourquoi j'ai gagné des sous, 5 ah bon pétales payés? Ah non, c'est parce que j'ai dépensé. Ah oui, il y en a partout. Pardon, j'en vois un au-dessus, te cache pas, j'ai envie de le chercher. Ça spawn la nuit. Eh, c'est super long à acheter de la colle, c'est que un par un. Ah, je sais pas si vous entendez en train de spammer ma souris. Super intéressant. Hein. Non, ça va, on n'entend pas. Non, c'est pas très fort, effectivement. En plus, il y a un petit filtre sur mon micro pour éviter ce genre de problème. Oh. Et ouais. Et voilà, c'était pas toi. T'as planté une éponge dessus, non? Ou c'est de la vraie mousse? Non, alors c'est ce que c'est. C'est de la mousse de micro, mais c'est de micro qu'on tient à la main, tu vois. Mm. Et ben, en fait, j'ai pris un petit micro, et du coup, j'ai enfilé sur mon micro-casque. T'as quoi? Comme Farah avec... Non, je déconne. T'as enfilé? C'est ça. C'est ça. Il y a eu pénétration. Il y a eu pénétration de mon micro dans la mousse. Interagir. Ah, c'est bon, c'est parti. C'est la craft. Alors, je sais pas, j'en ai combien à chaque fois. Je vais voir combien j'en ai eu pour voir si j'en ai suffisamment. Ça n'a rien fait, en fait, c'est ça? Ah non, c'est j'ai pas ramassé. Il y en a 50 seulement, ouais, on va pas aller loin avec ça. Ouais, ça va, ils te font pas beaucoup de planches en plus. Je vais faire du bois d'œuvre. Et tu veux quoi en tant que mur? Tu veux des planches aussi? Alors, je pense que ça va très vite, Kaya. J'ai mis des planches en mur, oui, mais c'est pas des planches du plancher. C'est des vraies planches de bois. De bois foncé. Bois clair, pardon. J'ai du bois sur moi si tu veux. Non, t'inquiète pas. Là, je suis en train de crafter, c'est bon, du bois d'œuvre là. Non, t'inquiète pas, ça va aller, Kaya, t'inquiète pas. De toute façon, au pire, on les mettra de côté. Hein, parce que je pense qu'on est tous d'accord que les blocs de planches en bois clair, ça va être super utile. On va tous en avoir besoin. Ouais. Voilà, on est d'accord, c'est ça que je voulais savoir. Donc, je vais tourner la machine. Ça, un petit peu, c'est... Vous savez, les viewers, ils voient un petit peu comment on farm. Voilà, ouais. Je suis tombé de fatigue là. À la nuit suivante, hein, je vous ai dit, il y a l'event Petit Arbre qu'on fera à la vidéo prochaine. Donc. On se laissera quand il fera nuit dans cet épisode-là pour démarrer cet event à la prochaine journée. Il pleut. Voilà, alors c'est l'event Portail des îles. Ah, non, il faut pas le dire, le spoil. Ah, c'est marqué sur le calendrier, si t'avais lu, tu saurais. Je rêve là-haut. Non mais... en même temps... Et l'épisode d'avant, quand on t'a dit, regarde sur le calendrier. Excuse-toi. Non. Non. Je ne fais qu'établir les faits. Je pense qu'en fait, tu vois, les planches, on n'en aura pas assez. Gadou, oui, je tiens à dire que Rick et moi, on prend du recul hein, là-dessus. Sur quoi? Sur quoi la belle, la brochette? Il se désolidarise de façon unanime. Pourquoi tu prends du recul? Ouais, par rapport à quoi là, dis-moi? Sur mes propos. Bah, par rapport à ce qu'il t'a répondu, ce qu'il t'a dit. Ah oui. Non, mais t'as raison, c'est bien. T'as vu les copains? Ah, c'est bon pour ton avancement, ça. Merci, chef. Oh là là, ça va, ça sent pas trop la bouse, ta langue là? Non mais après ce qui aurait été bien, c'est que l'un d'entre vous dise que c'est un connard, mais personne le fait, donc je suis plutôt étonné. Un connard. Là, tu vois qu'il y a... voilà. Je le savais. Le premier faillot là qui parle.
Bon allez, moi je ramasse tout ça. Ça devrait être pas trop mal. Donc vous n'avez rien entendu et vous saurez ça à la prochaine vidéo. Voilà. Non, parce qu'en fait sur le calendrier c'est pas indiqué hein. Si c'est indiqué. Non, c'est, non mais a, c'est vrai, a, non mais il a raison, on regarde sous tes yeux aussi. Il hein. y a un petit arbre. Il y a un petit arbre, c'est pas dit ce que c'est. Donc je suis sûr qu'il y en a plein qui ont dû spoiler déjà dans les commentaires. Hein. C'est fini ça. Moi, j'aime bien les grosses gouttes d'eau. Hein. T'as vu, c'est des verres aussi qui tombent dans la gueule. Oui. Franchement. Il y en a qui disent que c'est le prochain serveur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que. Eh ben, on se pose toujours la question. Parce que vous avez vu que la gestion, il faut vachement jouer ensemble. Donc. Voilà, je sais toujours pas si c'est une bonne idée ou pas. Donc, c'est toujours dans les tuyaux, mais. Mais on s'est pas encore décidé. Voilà. Est-ce que c'est réellement portable sur un serveur multijoueur ouais. C'est ça la question, voilà. C'est ça la bonne question. Le fait de jouer ensemble, on n'a pas encore réussi à terminer si on pouvait sécuriser son matériel. Son stuff. Ce serait ça qu'il faudrait faire. Déjà, si on peut pas sécuriser le stuff, déjà on a un problème. Forcément. Est-ce que la boîte aux lettres ne fait pas office de... Normalement, oui. Pour tuer un insulte comme mais... ça. Ouais, parce que du coup, la maison que je construis, elle est pour moi, elle est pour qui en fait Allez, bah, t'as le nom sur la boîte aux lettres. Et pense à la porte, Gadu, hein, quand même. Oh, attends, je fais le tour, mais je vais la mettre déjà sur le côté de la porte, on verra après pour le. Elles sont où les chaînes ? Une nouvelle habitante qui va arriver. Je vais pas acheter les chaînes, où ça en fait ? On devrait normalement être rémunéré pour ça. C'est un bloc ou deux blocs la porte ? Un bloc. T'es sûr ? Ouais, dans les autres c'est. Non, c'est deux blocs autant pour moi. C'est deux blocs, ok. Est-ce que. Où est-ce que je peux acheter des échelles pour réparer mes conneries? Du coup, je vais te faire ta porte puisque tu veux faire une bonne porte. Des échelles? Ouais. Ah, ça, je saurais pas te dire. Voilà, on va dire que la porte elle est là. Voilà. Ou des escaliers, oh, je sais pas. Donc, petite maison tranquille. Prendre la terre tu peux acheter le plan des escaliers au marchand. Oh, tu prends de la terre quoi, tu t'emmerdes. Ah, si, tout à l'heure, je dis aller à réparer le toit, mais à chaque fois que je tombe, du coup, bah ça m'aide pas plus. Attends, voilà, où est-ce que je puisse acheter ça? Alors, on prend la. Oh la mince, on prend l'habitude au bout d'un moment quand même avec ces. Oui. La gestion de ces blocs là. Un peu comme Minecraft. À tout hasard, le jardin n'a pas poussé, sinon il faut vite refaire des graines et replanter. Non, c'est pas non. Tout le monde là il s'est dit merde, on a oublié. Tout est crevé, tu sais. Non, t'as le temps que ça crève quand même. Bah, faut juste arroser une fois par jour. Et vraiment une fois par jour, sinon ça crève. Tout le monde s'en fout de ce que je dis. Non, j'essaie de faire un truc depuis tout à l'heure. Alors, là. Autant des fois sur Minecraft vous avez la pêche, autant sur ce jeu là vous avez pas du tout la pêche. Y a moins le stress ou comment ça se passe? En fait, on essaie de comprendre. T'as pas de pshhh. Ouais, c'est ça, effectivement. Oui, c'est vrai que la nuit on est tranquille, t'as vu hein. Y'a pas de lumière et tout, on peut se balader tranquille. Incroyable. Je suis en train de faire son jardin, la médière. 4 de haut, on a dit, hein. C'est ça pour le. Pour la maison. Toujours 4 de haut. Les portes, c'est 3, ouais. Donc 4 le montant. Alors, et par contre, parce que si je pose un toit par-dessus. Ouais, parce que la porte, effectivement, arrive en fait à ce niveau-là. Il te faut un linteau au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc forcément, je suis obligé de mettre 4. Ok, vu comme ça, ok. Par contre, on va être on va être bien au final. On va être super bien. J'ai prévu juste... Visiblement, je pensais être large. Je pense que j'ai prévu la bonne quantité. C'est compliqué de mettre des en place. 66, je suis pas mal. Par contre, là, il faudrait que je puisse placer peut-être un bloc... Je vais passer comme ça. Voilà. On a une vache qui balade hors de l'enclos. Ah! C'est Marguerite? Non, c'est Elsie. Et y a maintenant, une... on a 6 vaches et il y en a une hors de l'enclos. Est-ce qu'il y a vraiment une Marguerite parmi les vaches? Non, il y a Mabel, Alberta, hein. Dalla, Pearl. Mabel, il y en a 2. Et il y a Elsie. Elsie est en dehors de l'enclos. Bah, fouette-la un peu. Non. Il va bientôt nous, avec le nombre de vaches, il va bien nous falloir quelqu'un qui s'en occupe à plein temps. Ah bah ça oui. Kaya.
Oui. Tout d'aller couper des arbres. Je suis en train d'essayer de mettre une haie déjà. Faut caresser, frère. Par contre, c'est vrai que c'est assez avantageux en fait niveau l'air. Hein. Ah, par contre, ouais, j'ai pas compté le prix de la bouffe, de dépenses de bouffe. J'en reviens pas, j'ai tombé presque bien. Combien de blocs il va me manquer? 11, est-ce qu'on. Ouais, on les aura pas. Ah, c'est dommage! Ah, ça, c'est dommage! Kaya, c'est ta faute, ça! Comme d'habitude. Il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 10, c'est ça, j'ai bien compté? 10, il me manque 10 blocs, j'hallucine quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blocs de bois, il me manque, c'est ballot, hein? C'est vraiment ballot. Ouais. Je vais racheter de la colle, tout ça, et puis on va terminer au moins bah, le bas de cette maison. Enfin, c'est vrai, il faudra faire les toits. Et t'as assez de bois? Bah, il me manque juste. Non, le bois brut, j'en ai plein. C'est pas le bois brut qui me gêne, c'est le bois transformé qui me gêne. Bon, j'ai regardé pile combien il faut. Bon, ceci dit, de la colle, à mon avis. Il faut deux colles. Deux colles et quatre bois d'œuvre. Il y a personne qui a acheté la machine à carreaux? Non. Non, mais il y en a une. Tu sais qui me plombe bois? Magasin de bricolage. Gadu, tu me plombe bois. Merci. Eh, j'en ai pris 7, excuse-moi, mais je devais faire la même chose. J'ai 527 bois si tu veux en revanche. Ça t'intéresse ou pas? Pas de mal. Je t'en rends juste après, attends, je t'en rends, t'inquiète pas. Non, vas-y. Si, non, mais je suis sérieux parce qu'en fait j'en ai pas besoin. Ce serait con quoi. Voilà, 10, donc ça c'est bon, ramasser. Ça je ramasse aussi, et je te le lance, tiens, je te donne le bois d'œuvre. Hop, tu vois, je t'en rends 6. Voilà, pour te dire, hein, j'ai pas pris beaucoup. Hein. Tu veux quoi, la machine à carreaux, pour quoi faire? Si t'en veux, n'hésite pas. J'en ai pris un. Un phara? Oui. Pour quoi faire, tu veux une machine à carreaux? Elle est où, le, la mairie? Pour faire des... Pour faire du carrelage? Ouais. Alors, elle a combien? C'est quoi, station d'assemblage? Quel est le salaud qui m'a enlevé mon plancher? Il y avait un plancher pour monter sur la maison. Ok, je te l'ai acheté. Ça c'est Kaya encore ça. Ah non. Oh, pour une fois c'est pas moi. Qui a enlevé le plancher qui était sur la maison? C'est pas moi qui l'ai enlevé quand même. Bah, moi ouais. J'ai pas touché. Moi j'étais en train de faire la haie non, derrière. Non, je confirme, c'est pas moi qui l'ai enlevé, il est pas dans mon inventaire. Donc c'est l'un d'entre vous qui a enlevé le plancher en fait qui flottait dans les airs là pour grimper sur la maison. Hey, personne qui parle. Ouais, non, c'est pas moi. Bah, il a des bobs tout seul alors dans ce cas-là, c'est possible. Je pose la question. Non, ça m'étonnerait, mais bon. Ah bah... Ça m'étonnerait que ça débobe tout seul. Bah, pourtant, moi je dis ce que j'observe. Oui, hein. Tu vas t'appeler maintenant. T'es où, Farah, toi? Je suis devant la fabrication de l'animalerie. Qu'est-ce que l'animalerie? Faudrait qu'on aille dormir aussi. Et je vous rappelle, jour prochain, parce que là nous allons arriver au 14e jour. C'est le 15e ou c'est le 14e? T'es à la base? Non, c'est le 14e. T'es le 14e. On est à la fin de la 3e, de la 13e. Non, je suis entre à côté de Chigal, à côté de la maison que Gadu est en train de faire. Je suis en train de faire l'animalerie. Ok. Où c'est qu'est le. Les portes, il y en a à vendre ou quoi les portes? Oui. Ah, c'est bon, il y en a à vendre, ouais, mais je peux t'en fabriquer aussi si tu veux. Pote ordinaire. Ah bah si tu sais en fabriquer deux, j'ai pris le plan. Tiens. Ah bah si tu pouvais m'en faire deux, Rick, ce serait super parce que... Merci mon lapin. De rien mon chéri. Porte. Alors tu me donnes juste les ingrédients. Alors porte. Pas de recette. Bah, alors il me faut. Donc t'en veux combien des portes? Deux. Ouais. Alors il me faut deux colles. Alors le bois d'œuf j'en ai. Il me faut donc deux colles. Quatre vernis bon marché. Quatre charnières. Attends. Deux poignées. Attends, tu m'as dit deux colles. Quatre vernis bon marché ça? Et 4 charnières. Ouais, alors les charnières, je veux les poignées. Fil électrique. 2 poignées et 4 charnières. D'accord. 4 charnières. 3, 4. Et combien de poignées? 2 poignées, évidemment. Oui. Alors, ça m'a coûté la peau des rouleaux quand même, cette histoire là. Ouais, moi, je voudrais bien t'aider, mais j'ai plus que 2 pétales. Donc. Non, c'est pas juste. Ça me coûte aussi cher pour la mienne. Non, mais limite, j'aurais dû acheter, tu vois, directement en fait. C'est ça que je veux te dire, dans ce sens là. Vernis bon marché, je te le donne. Voilà. Non, parce que c'est des portes à 190 que je vais te faire. Hein. Ah, d'accord, oui, j'ai pas demandé forcément. Donc si t'en as eu pour 380. Tiens. Lâchez de données là, on est d'accord? T'as besoin de colle aussi ou pas? Alors, oui, bah oui, je t'ai demandé de colle.
Attends, pourquoi ça marche pas? Vernis, tu me l'as donné aussi? Mais d'abord dans l'inventaire. Le vernis, j'en ai donné un, voilà. C'est bon. Ouais, ça déconne un peu le truc là. Mais t'es où, Yut? On va regarder ça maison. En enlevant le 2. Okay. Tu me cherches? Vas-y, mon petit Eric. Bah ouais, je suis à la ferme là, je me dirige vers le village. Allez, tiens. Okay. Rassembler. Non mais, ah, la canne à pêche, c'est bon, j'en ai racheté une. Ah! Attends, tiens, je te la redonne. Et merci. Il est tellement kawaii le Rick. Il est avec ses petites mains et ses petits cheveux là. Avec plein de trucs dans les cheveux là. Et tu sais qu'on est ici à la maison Gadus, ça sert à rien que t'ailles en base. Non, mais j'ai pas le plan, donc je laisse Rick le faire. Ça y est. Donc là, en théorie, si je le ramasse, j'aurai le plan directement alors. Non. Oh la vache. Ah non, non, faut que t'achètes le. T'as, tu vois le cadre de porte que t'as dans la main là. Il est à vendre le plan dans la boutique. Je te laisse le faire. Non, qu'est-ce qu'il me dit qu'il faut. Moi j'attends. Il faut du bois d'œuvre, de la. Alors, du bois d'œuvre, poignée, charnière. Pour les poignées. Parce que là t'as fait le cadre de porte évidemment avec la colle, ça paraît logique. Et là t'es en train de faire la porte elle-même en fait. Normal. Voilà. Et après, deux charnières. Il y aura l'assemblage des deux. Une en haut, une en bas, la poignée au milieu évidemment. Et pas de colle. Pas de colle pour coller le bois d'œuvre, non. Et non, là, c'était avant la colle. T'assembles les deux et c'est fini. Voilà, et maintenant je vais t'en sculpter. Ah, faut sculpter, c'est sûr. Alors, grand cadre en bois. Tu es avec Sephara, parce que d'habitude c'est Sephara qui sculpte. Hein. Mmh. Il fait des bâtons. Il fait des loups. C'est vrai en plus, c'est vrai. Et deux vernis bon marché. Là, je les ai donnés. Non, j'en ai donné que un peut-être, j'ai un doute. Je sais pas. J'en ai donné qu'un. Tu devrais les suffisamment, marché, j'en avais d'avant. Bah, j'en ai fait qu'un. On s'est dit le vernis, c'est pas ça qui coûte cher, mais. Non, du coup, il m'en manque un. Ah. C'était deux vernis par porte. Ah, d'accord, ok. Alors, attends, ce que je vais faire, pour être sympa, et dans le doute, je vais t'en acheter trois. Comme ça, tu vois, si j'en ai donné qu'un, moi, y a pas de triche. Attention, tu t'en fous, c'est... après, tu me donnes des trucs. Pourquoi il jette. Des fois, il veut pas acheter hors de l'inventaire, quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah c'est bon, ah, ça marche pas à chaque fois. Je l'ai pas eu, oui. Ah j'ai un 404 non troué maintenant en dessous. C'est aléatoire mais... Donc voilà, vous aurez vu ce qu'on fait quand même en une demi-heure, hein. Vous avez vu, j'ai terminé le plancher. Et juste fait les murs et posé les portes. Et encore j'ai demandé à Rick de m'aider à faire les portes, hein. Vous avez vu, hein. Donc c'est super long, c'est vraiment un jeteur. Merci mon petit Rick. Oui, je t'en prie. Alors, où était la maison, par contre, que j'étais en train de construire? Ah oui, à côté de là. Oh la mince, par contre, là, j'ai besoin de dormir, là. Là, j'ai besoin de dormir, là. Et du coup, 5 secondes, c'est suffisant, hein, pour prendre l'énergie. Ouais, 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 mais attends, avant, j'ai déjà posé les portes, parce que je passe devant, c'est balou de... Voilà. Est-ce qu'il y a un sens pour les portes? Vous avez déjà vu ça, ou... Non, il n'y a pas de sens. C'est la même chose des deux côtés. Bah, si, il y a le sens de la poignée. L'ouverture. Oui. Oui, normalement, c'est toujours sur l'intérieur. Ah bah, en fait, là, il saute dans les deux sens. Oui, oui, mais est-ce qu'elle va ouvrir vers l'intérieur de la pièce ou vers le mur? Oui, effectivement, oui. Ouais, ouais. Oula. Tu vas être gêné après pour passer. Ah, faut voir. Alors, là c'est... On reste appuyé, on tourne avec la molette. Bam. Et là, tu construis à ta sauce ou... Ah bah oui, comme ouais, tu veux. Il suffit, il te donne une liste. Et du coup, tu dois mettre le truc dans la maison. Dans la boîte en fait. Aux lettres, t'as une liste. Il faut qu'il y ait les éléments dedans. Après, tu fais comme tu veux. Oh, mon bloc est réapparu. Mon bloc est réapparu. Qui c'est qui a reposé le bloc? Je sais pas, moi je t'ai mis des blocs de terre. Il va y avoir un problème d'affichage. Ouais, alors soit c'est un bug d'affichage, bah, les viewers sont témoins. Le bloc a disparu et il est réapparu. Bon, c'est pas grave. La drogue, c'est mal. Il explique tout. Bah non, mais attends, je suis pas fou quand même. Tu te fais. Bah si je suis fou, bah excusez-moi, mais vous irez voir directement au début de la vidéo que c'était pas le cas, visiblement. Ah, sinon, c'est peut-être une fée malfaisante. Ouais, qu'il l'a enlevé, qu'il l'a remis après, ça m'étonnerait. Voilà. Ou un voleur, c'est ça, qui a regretté, non. Oh le bâtard, il a pris ce que je voulais prendre.
Je vais aller me coucher pour passer ça. Et je pense que vous, les viewers, on va se laisser. Et à la prochaine journée, du coup, on fera l'événement que Yout a spoilé. Qui est sur le calendrier, donc qui est ici. Voilà. Je vais pas cliquer dessus. Donc c'est trois petits sapins. Mais c'est pas du spoil, c'est de la prévention. Pas de la prévention. Chut, silence. Ouais, c'est comme le mariage de l'arrière-grande-tante, on n'y prévoit pas la veille. Oui, c'est vrai. Bah là, c'est un peu pareil. Effectivement, c'est une grande fête. Est-ce qu'on peut ramasser les petits légumes là que j'ai posés là? C'est pour ça que c'est sur le calendrier. Je surveille. Oui. Regarde, je suis sans cadeau. Et quel est le guignol qui a posé? Ah, en fait, tout n'a pas poussé, excusez-moi. Je pensais que c'était Kaya encore. C'est quoi le vomi que tu m'as fait là? Non, là. Non, mais c'est quoi le vomi là? Ah, on change de biome! On a changé de biome, du coup, la terre elle est pas pareille. C'est quoi ça? Oula, chemise de. D'accord, fenêtre ranch, 4 de port d'ordinaire. Mais pourquoi tu veux tout ça? C'est pour réparer la maison? Non, j'ai eu un cadeau. Qui a donné ça? Rick? Non, c'est Fan. Thank you, quoi. D'accord, bah faudrait le. Bah, tu peux le reprendre, hein, ton truc, hein. Eh, mais par... pourquoi il y a autant de ruches? Vous êtes des grands cinglés ou quoi? J'ai eu une ruche en cadeau aussi. Elle marche la ruche ou pas, d'ailleurs? Non, non, parce qu'elle elle court pas. Il monte encore. Oh là 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 là. Alors, vous direz GG à Kaya dans les commentaires. Du coup, nous, on va se laisser, on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye, bye. Bye, bye.